Salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play. Et comme vous pouvez le voir, il s'agit de Silent Hill 3 sur 360. Alors je vous ai déjà fait le let's play de Silent Hill 2 il y a quelques temps déjà. Et j'avais envie de me replonger là dans la série avec le troisième épisode que je n'ai pas fait. Là je vais, ça va être comme le 2, hein, je vais le faire en découverte avec vous. Donc là ça a l'air assez identique, hein, niveau d'action, niveau d'énigme, on peut sélectionner de la difficulté, on va jouer en normal hein, durant tout le let's play. Alors pour le moment j'ai toujours pas fait le scénario bis de Silent Hill 2, je le ferai après le 3 si jamais vous, la démo se lance un peu trop n'importe comment là. Faut être prêt, faut être rapide hein, dans Silent Hill 3. Hein. Donc ouais, voilà, j'ai toujours pas fait le scénario bis de Silent Hill 2. Je le ferai après le 3 si vous avez envie que je le fasse. J'ai d'autres Silent Hill à faire hein, en let's play. Hein, si jamais vous aimez ces vidéos, j'essaierai de vous faire notamment le Silent Hill 4 que j'ai sur PS2. Donc ouais, 3 niveaux de difficulté comme je vous l'ai dit, on va jouer en normal et en normal. J'imagine qu'on va avoir une petite scène d'introduction, donc on va faire normal et on va se retrouver juste après celle-ci. Where am I? Ok, d'accord, bon, mais le jeu commence, donc on contrôle cette jeune fille. On est dans un parc d'attractions apparemment. Un déguisement de lapin géant, qu'est-ce que ça fait ici? D'accord, il est flippant et je sais plus tout ce qu'elle disait en premier, j'ai un peu trop. J'ai zappé un peu trop rapidement. Ouais, d'accord, bon bah le jeu commence bien. Donc on a toujours cette fameuse lumière, c'est plutôt sombre là par contre. Hein. Attendez, qu'est-ce que j'ai? Je n'ai pas la carte de ce secteur, bien évidemment. Ça c'est la pose, ça c'est l'inventaire, d'accord. Qui est un peu mieux foutu d'ailleurs que dans Silent Hill 2, parce que c'est un peu le bordel. Là c'est découpé entre les objets, les armes et les provisions. Qu'est-ce que j'ai comme arme? J'ai un pistolet et j'ai une mitraillette. Ouais d'accord, on commence plutôt bien le jeu. Hein. Bon. Soit, je sais pas du tout où j'avance parce que c'est très 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 sombre. Enfin sur ma télé en tout cas, vous sur la capture ça devrait pouvoir le faire. Ok, il y a un trou là. Il y a un trou, on va essayer de pas tomber. Là aussi, effectivement. Alors, bon, alors ça a l'air d'être un peu plus souple hein, que dans Silent Hill 2. J'espère que le portage sera quand même mieux réussi, qu'il y aura moins de lag. Parce que Silent Hill 2 c'était quand même. C'était atroce quoi, hein, donc j'espère que ça sera mieux foutu. Là on a une porte, tiens, on va y aller. Oula! Qu'est-ce que c'est? Oh putain, il y a des ennemis. Et merde! Je vais courir, tiens! Je vais pas rester là moi. Là, la porte. Je sais pas où je vais, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est cet endroit? On dirait une pharmacie? Jamais j'aurais cru dire on dans un endroit pareil. Mais je sais pas où je suis donc. En même temps. Il y a
Il y a lapin en peluche. Il y a beaucoup de lapins ici. Il faut arrêter avec des lapins parce que c'est ça commence à venir badant là. Des boîtes de biscuits, ouais, elle a pas faim. Pas grand chose à récupérer apparemment. Là, il y a une porte, on va y aller. Verrou est cassé, je n'arrive pas à ouvrir la porte. Et j'ai toujours pas la carte, hein. Ça c'est casse bonbon. Je vais dire autre chose, on va rester poli, hein. C'est que le début du let's play, donc c'est le début, je suis déjà bloqué. Je sais pas ce que je fais là en fait. C'est bizarre ça, franchement. Oh putain, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Merci, bloqué. Là, il y a une porte. Mais c'est quoi ça? Je comprends rien du tout à ce que je fais là. Est-ce que je fais pas l'endroit au bas? Je sais même pas ce que je fous. Et les bruits là, ils sont badants là, les bruits des monstres. Hein. Merde. Me faire toucher là. Putain, mais je vais où là? Je sais pas où je suis en train de grimper depuis tout à l'heure. Où est-ce que je vais? C'est verrouillé, merde. C'est verrouillé. Là. C'est ouvert là. Oups, je suis tombé. Bon, je suis mort. Ah, apparemment non. It's me. Yeah, sorry I didn't call sooner. Yeah, I guess I was. Anyway, I'm coming home now. Oh, I didn't get that thing you asked me to. Okay. Okay, I will. I love you too, Dad. Heather, I need to speak with you. My name is Douglas Carton. I'm a detective. A detective? Really? Well, nice talking to you. Hold on. There's someone that wants to meet you. Just let me have an hour. No, a half hour of your time. My daddy always told me not to talk to strangers. This is very important. It's about your birth. I'm not interested. Are you still following me? Do I have to scream? Sorry. I'll wait here. Bien, donc nous sommes une jeune fille traquée par un méchant pédophile qui veut nous donner des informations sur notre naissance. C'est bizarre. La marche sur ce miroir, j'ai l'impression de la connaître. Comment puis-je la connaître? Où l'ai-je vue? Et pourquoi ma tête me fait si mal quand j'essaie de me souvenir?
Ah, d'accord, c'est juste un point de save. Ok, bon, on va sauvegarder, tant qu'à faire. Voilà, ça sert à rien, c'est la première save, j'ai fait 2 mètres. Bon, apparemment, donc on est obligé de soit de mourir, soit de tomber, d'après ce que j'ai compris, parce que voilà, c'est un cauchemar, donc en fait, tout va bien. Ah, oui, d'accord, elle est passée, d'accord, à travers la vitre. Ok. C'est plutôt joli, je trouve, hein. Des caisses vides et tout un tas de trucs bloquent la route. Je ne peux pas passer. C'est beaucoup plus joli déjà que Silent Hill 2. Hein. Je trouve le portage mieux réalisé. J'espère, comme je lui dis, qu'il voilà, va y avoir au moins moins de lag. Voire pas de lag du tout, hein, parce que ça serait quand même sympa. Hein. Là-bas, il y a un camion, ça va débloquer. On va passer par ici. Alors. D'accord, je sais pas où je suis tombé. Le verrou est cassé, je n'arrive pas à ouvrir la porte. Ben, je crois que ça commence maintenant en fait, ça me dit là, regardez quand on a les portes cassées là, c'est ça qui est sympa. Qu'avons-nous ici? Un tas de trucs est collé mais rien d'utile. Là une double porte, la porte est coincée. Je n'ai pas la carte de ce secteur, d'accord. C'est dommage qu'elle n'écrit pas la carte au fur et à mesure, ça pourrait être sympa. Savoir où je vais. Il n'y a rien qui s'ouvre ici, hein. C'est chiant ça. Le verrou est cassé, bon ça va être comme d'hab, hein. Il y a une seule porte qui va pouvoir s'ouvrir, hein. Ça va être la bonne. Alors, on sait comment ça marche. Là, ça s'ouvre ça. C'est verrouillé, d'accord. Bon, quand c'est verrouillé, ça veut dire que ça va s'ouvrir. Ça va, je commence maintenant à connaître un peu les codes hein, des Silent Hill. Alors, faut que je m'y fasse un peu à la maniabilité, parce que j'ai un peu du mal à la diriger. Bon. Ça va prendre quelques minutes. La porte est coincée. Voilà, le verrou est cassé, d'accord. Il y a des drôles de bruits là, c'est bizarre. What is this thing? Alors, si c'est ça les ennemis de base dans ce Silent Hill 3, je vais pas apprécier du tout là. Parce que ça, c'est badant. Qu'est-ce qu'il dit là? J'aime les fringues, mais là, ce n'est ni l'endroit ni le moment. Ou l'inverse d'ailleurs. Ce n'est pas humain. Ceci est un monstre. Je l'ai tué. Bah oui, il a tué un monstre. Okay. Je sais pas du tout ce qu'on fait. C'est bizarre parce que, en fait, on. Ouais, des balles de pistolet. On avait l'air d'être dans un endroit normal et là on se retrouve. Je vois ici que c'est mort. J'appelle les flics. Remarque qui me croit si je dis quelqu'un a été tué par un monstre. Non, personne, je crois. C'est vrai que c'est assez badant parce qu'en fait on était dans un endroit normal, on était dans un café et là on se retrouve. Je sais pas en fait. On est toujours au même endroit, j'ai l'impression. Elle est en train de regarder, je sais pas du tout ce qu'elle regarde. Elle regarde le monde, je crois. Ouais. Parce que dans Silent Hill 2, souvenez-vous, elle regardait les trucs intéressants. Bon, par contre, si tout est intéressant, qu'elle se met à regarder tout et n'importe quoi, ça va peut-être pas le faire, là. Je sens que ça va pas être vraiment cool. Alors, attendez. Est-ce qu'elle a des balles dans son chargeur? Logiquement, non, parce qu'elle a vidé. Ça va, c'est logique. C'est très logique. Alors, c'est déverrouillé. Donc là, je me dis que c'est la porte de derrière. Je réfléchis juste à peine, hein. Ça m'a l'air logique. Hein. Ça c'est quoi ça? La carte? Ouh, putain, ça a l'air super vaste. Encore c'est que le premier étage, et merde.
Alors, on va regarder la carte. Où est-ce que je suis? Est-ce que je peux zoomer? Ouh, c'est dur cette zoom. Alors, donc oui. Donc là-bas, c'est bloqué. J'ai juste l'endroit avec le monstre. Là-bas, on a le point de save. Le point de save, ouais. Ok, d'accord. Bon, ça devait être fermé, hein, il me semble. Ok, bon, ben là, ça a l'air d'être le gros bordel, cet endroit-là, par contre, hein, parce que la carte est super vaste. Je peux sortir par là, apparemment. J'ai pas envie de sortir par là, j'ai envie de vérifier les autres portes avant. Je suis comme ça, moi, j'aime bien regarder si tout peut s'ouvrir. Le verrou est cassé. Je sais pas pourquoi je me suis remis dans cette aventure, hein, avec Silent Hill 3. Parce que je sens que ça va être le beau bordel. D'accord, le casier est cassé. Il y a des effets de flou parfois, c'est. Enfin, je crois que ça doit juste venir de moi. Hein. Je pense que sur la question, ça ne se verra pas. Mais j'ai des effets de flou assez bizarres là sur ma télé. Ouais, d'accord, presque impossible. Donc en fait, elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien pousser, c'est génial. Là, on va au deuxième étage, donc j'imagine qu'on va avoir une autre carte assez. Waouh! Putain, c'est immense! C'est vraiment immense. Putain, si on doit se taper tout ça, ça va être. Wouh, ça va être génial. Je sens qu'on va kiffer. Ah non. Ah non, 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 non. Ah non, non, mais pas de bruit comme ça dans le jeu. C'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Je vais essayer d'esquiver les ennemis si j'en vois. Comme dans Silent Hill 2, souvenez-vous, je vais esquiver les ennemis. Oh, putain. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est? C'est dégoûtant. Pas de lumière, c'est encore beaucoup plus chiant. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que on dirait, on dirait rien du tout. On dirait un pénis sur pattes, c'est n'importe quoi. C'est, je sais pas. C'est, je préférais les mondes de Silent Hill 2 déjà là. Alors, par contre, ils nous ont mis des couleurs. C'est quoi ça? Je sais plus tout ce que c'était. Oups, dégage, ça clébarde. Merde, 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 merde! Pourquoi il a la tête fendue en deux, ce con? Ah, la crève, connard! Il est pas mort? Il lui faut combien de coups de pied? Ah merde, c'est-à-dire que l'autre était peut-être pas mort en fait. Qu'est-ce que j'ai. Je sais plus tout ce que j'ai récupéré. Il y a un truc par terre, non? Ah, il y a un truc là. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Ah oui, c'est vrai que c'est start pour mettre en pause. D'accord, de la viande. Ça peut aider à détourner un monstre. C'est fait pour les chiens, pas pour moi, d'accord. Bon, je peux pas bouffer ça. D'accord, donc c'est pour les chiens. D'accord. Putain, si on doit s'amuser maintenant à détourner l'attention des monstres, là, ça va peut-être pas le faire, ça. Bon, à part ça, il n'y a que dalle. J'aimerais bien récupérer une lumière. Ça dérange personne. Le verrou est cassé. Un tas de trucs, d'accord. Mais j'ai l'impression qu'on peut examiner quand même pas mal de choses ici. Encore une porte. Ah, il y a un point de save là. C'est sympa. Une boisson, des balles. Qu'est-ce qu'on a là? On a un truc, on a une clé apparemment. Quelque chose est tombé entre la table et le plancher, je crois que c'est une clé. Si seulement j'avais le bras plus long, je l'atteindrais. Il y a une énorme pile de cartons plein de livres sur la table. C'est beaucoup trop long pour être déplacé. D'accord, donc là je vais devoir essayer de trouver un moyen pour récupérer la clé. Peut-être qu'elle est ici, d'accord. On a un point de save, on va aller le prendre. Non, moi je veux juste le point de save. D'accord, le fameux cercle magique. Hein. Ok, elle commence à se souvenir de quelque chose. J'ai quelques bases hein, sur le scénario de Silent Hill 3, parce que oui, j'ai déjà vu quand même des vidéos de ce jeu, hein, donc je sais. Je sais pourquoi elle dit ça, là, pour le coup. Mais oui, casser ça, je sens que cette porte s'ouvre, sinon on n'aurait pas un nombre de caméras différent. Ah ben non, ben là, je me suis fait piner. Alors, on va regarder la carte, et on peut voir qu'effectivement, je ne peux
Qu'elle est en face maintenant, on a des. Je peux pas, je suis pas allé au chat encore. Là-bas, là. Alors, je crois que c'était là. Est-ce qu'il est. Oui, il est bien mort, lui, c'est pas un problème. D'accord. L'ascenseur, ça marche pas. Le verrou est cassé. Est-ce que ça s'ouvre, ça? Oui, ça s'ouvre. Interdit de fumer, apparemment. Interdit de fumer. Tain, mais ça fait bader, là, le jeu, là. J'ai fait 2 mètres, regardez. Je me suis en train de me faire agresser par des monstres. D'accord. On entre dans un magasin. J'aime bien, en fait, la petite ambiance, là, une paire de pinces. D'accord. Du pain. Des bouffes de pain, putain, ça permet de prendre la vie, ça, j'imagine. Qu'est-ce qu'il regarde? Encore du pain, d'accord. Il doit y avoir un autre truc, je pense. Je sais pas, ou alors les complètement code. Aucun employé dans les parages, je me demande où ils sont. Bah, je sais pas, mort peut-être. Le tas de saloperies qui se trouve ici, je pense qu'ils sont bien morts. Est-ce que c'est une arme ou un objet clé, que j'ai récupéré? Une pince. Est-ce que je peux. Clé de la maison, d'accord, c'est la clé de la maison pour la porte d'entrée. C'est bien, elle a gardé les clés chez elle. Est-ce que. Le verrou est cassé. Est-ce que les clés. La... Bref, je recommence. Est-ce que la pince me permet de récupérer la clé? Ça pourrait être. Ça pourrait peut-être. Ouh putain, c'est énorme ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah d'accord, putain, on peut vraiment. On a bougé la caméra en mode. Violent là. C'est verrouillé. Putain, t'as failli me coller une pêche, toi. On va pas se le faire, hein. Pourquoi est ton gond? Par contre, ils vont assez vite. Casse-toi. Je reviens en arrière, là. En arrière, on va se casser d'ici. Donc, attendez. Là, j'ai tout visité, apparemment. Ah, mais ils mettent pas les endroits, là, avec les portes? Qu'est-ce que j'ai visité? J'ai visité l'endroit en bas. À gauche. Pourquoi c'est comme ça à gauche? Ah d'accord, quand c'est. D'accord, ils ont changé comparé à Silent Hill 2. Quand c'est avec des flèches comme ça, ça veut dire que je peux passer à travers les deux portes. Enfin, je peux passer la porte quoi. Et quand c'est uniquement un trait droit, ça veut dire que. Bon, c'était pas la bonne porte. Ça veut dire que c'est verrouillé, d'accord. Parce qu'il me semble que c'était pas le même code dans Silent Hill 2, je sais plus. Honnêtement, là, je m'en souviens pas du tout. Alors, est-ce que je peux récupérer la clé avec la pince? Je pense que oui, parce que je pense qu'il faut pas pousser là. Le truc. Hein. Ça va être ça, apparemment. Ouais, c'est ça, c'est magnifique. La clé prise avec les pinces. Je suis trop fort, j'ai dû récupérer une clé. Alors, est-ce que je peux l'examiner? Mes best-sellers. Ah, c'est peut-être en fait le truc en bas là. C'est peut-être la porte qui se trouve. Oh putain. Il suffit que je récupère la clé pour avoir ces peignées sur pattes qui me poursuivent. C'est intéressant. Ça c'est intéressant. Je fais des phrases d'ailleurs qui n'ont pas de sens. On va aller voir. On va aller voir si je peux aller à la porte là-bas. Ce qui est cool, c'est qu'ils sont restés là-bas. Donc oui, il y a toujours autant de lag. J'y peux vraiment rien pour les lags, hein, c'est vraiment chiant. Ah, bah, c'est bien ça en fait. C'est bien ça, c'est magnifique. Je peux y aller. Je suis très fort pour le moment, hein. Des magazines sur l'étagère, il y a un truc rouge. D'accord, il n'y a que les magazines. Bah oui, bah, en temps, aucun de ces livres n'est très intéressant, c'est le genre de bouquin que l'on peut acheter n'importe où. Donc j'imagine que je vais devoir récupérer le lit qui va me permettre d'ouvrir la bibliothèque à un endroit du jeu. Improbable. Ça va être comme ça. C'est toujours comme ça. C'est quoi ça? Shakespeare Anthologie. Shakespeare. J'ai lu et elle a dit ou j'ai récupéré? Je m'en fous, moi. Putain, il y a combien de livres là?
Attends, il était par terre dans la bibliothèque, c'était un recueil de Shakespeare, ni plus ni moins. Oh putain, d'accord, j'ai compris, regardez. Il y a du code. Il y a du code ici. Je me dis qu'on va devoir les foutre quelque part pour récupérer là le code avec les chiffres. Et des balles de flingue ici. Alors je vais essayer d'être au maximum. Enfin, essayer d'en regarder au maximum des balles parce que je sens que. Je sais pas, je sens que ça va être dur. C'est verrouillé. Donc, oui, voilà, il me faut le code. Alors, on va réfléchir. C'est bien de réfléchir. C'est que je sais même pas en fait si c'est dans l'ordre des livres, parce que si en plus il faut refoutre l'ordre, pardon, on va peut-être pas le faire. Donc ça c'est ça ne correspond à rien du tout. Mais est-ce que je peux les... Ah mais oui, attendez, si je les combine. Ce combo... Bah oui, moi je veux combiner moi. Ce combo n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'il me dit? Attendez, parce que moi je vais pas me faire ça avec. Je sais plus. Attendez. Combiner, 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 combiner. Utiliser. Ce combo n'a aucun sens. Bah oui, ben. Qu'est-ce que je veux que je. Qu'est-ce que je veux que je foute avec ça? Attendez. On va réfléchir. Parce que là, je sens que ça va me gonfler déjà cette énigme. Alors, déjà, la description c'est la même. Ben, d'accord. C'est exactement le même truc. Examiner. Là j'ai un. Je sais pas, on dirait un 4 après quoi. Là c'est quoi ça? 4. Là on dirait un 2. On dirait un 2 aussi. Ça va être bien compliqué. Attendez, est-ce que j'ai tout fouillé? Je veux voir. Genre en bas, est-ce que je suis allé partout ici? Ici, ouais, logiquement, je suis allé partout là. Parce que là-bas, je peux pas aller sur la gauche, ça me fait revenir sur mes pas, c'est débile. Parce qu'il y a d'autres là qui veut m'apprendre des choses sur mon enfance. Je pense que je préférais être avec le détective, quoi, au lieu d'être avec des monstres. Les livres, je pense que l'on doit les refourquer là. Ah, voilà, c'est bien ce qu'ils ont. Voilà, on doit les mettre ici pour avoir l'endroit, d'accord. Peut-être, oui, bah oui, t'as la place pour mettre les livres que t'as là. Donc je prends l'habitude d'assez select, enfin, c'est back plutôt. Ok, étagère, allez-vous la place. Oh putain, en plus c'est. Pff, oh, c'est chiant. Alors attendez, Shakespeare Anthologie. Qu'est-ce qu'il faut que je foute là? D'accord, c'est bon, j'ai compris. C'est pas ça. On va essayer de faire un truc à peu près potable. Hein. C'est pas ça non plus. Est-ce qu'il y a un chiffre qui se... D'accord, ça c'est un 4. Donc là, il doit y avoir un truc ici. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là non plus. Attendez, est-ce que ça en fait... Voilà, celui-là, ça doit être le premier, je pense. Parce que j'ai l'impression que ça continue en fait là-bas. 4-0. Là, je termine. Non, c'est pas ça. Putain, ça va être. C'est pas jouable du tout ce truc. C'est pas possible. Putain, je me souviens même plus du tout ce que c'était. Putain, attendez, c'est 2. Non, c'était le 1 alors. Ok, donc le 2 va avec le 1. Ça, vous en souviennent. Ensuite, ça fait 2-1. 4 2 1 4 Attendez, 2 1 4 Ah, c'est ça en fait, regardez.
4012. C'est le code, 4012. Parce que je pense que si je me serais juste débrouillé avec le... L'inventaire, il y a un truc là, non? Non, non, c'était juste du décor. 4012, d'accord. On va se souvenir de ça, 4012. Alors, 4, 0, 2. C'est déverrouillé, c'est magnifique. Voilà. Bon, ben voilà comment on fait l'énigme. Ah, c'était pas évident, c'est quoi ça? Hey, wait, what's going on? Where is everybody? Those weird monsters. They've come to witness the beginning. The rebirth of paradise, unspoiled by mankind. What are you talking about? Don't you know? Your power is needed. How should I know? I am Claudia. So what? Remember me. And your true self as well. Also, that which you must become. The one who will lead us to paradise, with blood-stained hands. Claudia, right? Did you do all this? It was the hand of God. Cette femme me fait bader énormément. Je sais pas ce qu'elle veut, mais je sens qu'elle est pas gentille. Alors. Parce que là, il y a beaucoup de portes. Ça m'énerve ça. Il y a trop de portes à visiter là. Donc là, est-ce que c'est fermé? Ou c'est fermé? On va faire les choses dans l'ordre. Verrou cassé, verrou cassé. Pourquoi on tombe toujours sur des personnes cheloues là dans ce genre d'endroit? C'est pas possible ça. Et pourquoi toutes les portes sont cassées? Imaginez un Silent Hill avec toutes les portes en état. Ça serait le bordel. Je pense qu'on pourrait pas avancer là dans le jeu parce que vu le nombre d'endroits que l'on visite, ça serait infernal. C'est quoi ce bruit là? La musique est bizarre. J'aime vraiment pas ça. L'ascenseur est cassé, logique. Non! L'ascenseur s'est cassé généralement, bordel de merde. Pourquoi il marche là? Pas moyen d'ouvrir la porte. Eh merde. J'ai pas pu visiter la porte là-bas, c'est chiant. Je sais pas où je vais là. Ça sent pas bon du tout. D'accord, la radio qui tombe comme ça, c'est. C'est pas bon. D'autant qu'il y a des parasites, c'est-à-dire qu'il y a des ennemis. Donc je suis retombé ici. Merde, je suis dans la version
dans la version corrompue là du Silent Hill. Ça c'est pas cool ça. J'ai fait 2 mètres, je suis déjà dans la version maudite. Putain, en plus il y a des chiens, c'est pas possible ça. Alors attendez, où je vais? Je sais pas où je vais, c'est le problème. Ah non, je n'aime pas ça, il y a trop de portes à visiter. Il y a trop de portes à visiter ici, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Et les chiens, arrêtez d'en mettre dans des survival, c'est... Ça n'a jamais marché. Et ça ne marchera jamais. Putain, mais il va... En plus, il s'est pas visé ce con. Là, c'est ouvert. Boisson, boisson... Putain, il y a beaucoup de boissons revigorantes. Hein. Alors, je sais que ça donne pas des masses, hein, les boissons revigorantes, malheureusement. Le lit est baigné de sang foncé. C'est le sang de qui? Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai l'impression que je ferais mieux de ne pas m'en servir. D'accord. Ok, bon, bah, point de save. J'aime vraiment pas, là, cet environnement. On est déjà dans le Silent Hill corrompu. C'est cool parce que j'ai trouvé les points de save, ça c'est vraiment, vraiment sympa. J'ai toujours pas ma torche malheureusement, mais je pense qu'on va pas tarder à la récupérer. Vous savez quoi, on va se quitter là nous sur cette vidéo, on a déjà fait pas mal, hein, je pense. On continuera notre progression dans la prochaine vidéo. Bon, ça va, ça a l'air plutôt cool. Hein. J'ai regardé la carte et je vois que, d'accord, on a des portes à visiter à droite, en face et sur la gauche. Je pense qu'en fait que la suite ça doit être là sur la droite. Là. Je suis pas sûr. Hein. Bon, mais on verra bien. Donc, on se quitte là, nous, sur cette première vidéo de ce Let's Play. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou même à partager la vidéo si vous avez aimé. Et si c'est le cas, je vous dis à la prochaine pour la suite du Let's Play de Silent Hill 3. Allez, ciao!